Salut à tous! Autant d'habitude, quand je fais mes vidéos, vous le voyez pas, il y a un petit thé sur le côté, autant aujourd'hui on a investi dans le smoothie. Non, parce qu'en fait, au moment où je tourne, il fait 33 degrés. Je vais mourir. Après m'être attaqué à Riverdale, il était temps que je m'attaque à ma série préférée, Stranger Things. Le dilemme s'était alors posé, est-ce que je lisais Stranger Things de Lumen qui raconte la vie de la mère d'Eleven ou Stranger Things de Hachette qui raconte la vie de Max. Et comme vous avez suivi avec grande assiduité mes vidéos, vous savez que j'avais choisi Max. Stranger Things Runaway Max a été écrit par Brenna Yovanoff et il est disponible aux éditions Hachette. C'est le roman officiel pour ados de la série Stranger Things. Pourquoi j'ai préféré commencer par le livre de chez Hachette plutôt que celui de chez Lumen? C'est tout simplement parce que le personnage de Max m'intrigue depuis la saison 2, depuis son arrivée dans la série, et il y a beaucoup de mystères autour d'elle. J'avais envie d'avoir les réponses à ces mystères. Est-ce que le livre m'a donné la réponse? Faut continuer la vidéo pour le savoir. Pour vous expliquer un peu, Max est une jeune fille rebelle, elle vient d'emménager à Hawkins en 1984 avec sa mère, son beau-père et son demi-frère. Elle rencontre nos héros préférés qui ne sont autres que Mike, Will, Dustin et Lucas. Mais qu'est-ce qu'on sait finalement de Max? Bah pas grand-chose. Le livre s'intéresse au passé de Max et au présent dans la saison 2, ce qui fait qu'on découvre quand même quelques petits secrets de la famille et c'est très intéressant. Je vais vous parler un petit peu des points négatifs du livre, d'après moi bien entendu, et après des points positifs, parce qu'il y en a beaucoup. Premier point négatif, il n'y a pas vraiment de dialogue. Toute l'histoire est racontée un peu de manière descriptive, et du coup ça casse un rythme. Le rythme pourrait être dynamique, pourrait être vraiment fort avec beaucoup de dialogue, mais c'est pas le cas. S'il y avait vraiment eu beaucoup de dialogue, je pense que j'aurais mis 5 étoiles, mais là je peux pas. Parce que ça a vraiment cassé mon rythme de lecture. S'il y avait eu des dialogues entre les personnages vraiment au lieu de « je lui ai répondu ça, il m'a répondu ça », c'est très agaçant et très frustrant de pas avoir des lignes de dialogue, mais d'avoir surtout de la description des scènes, ça casse le truc. Dans ce livre, par exemple, quand il y aura une situation compliquée ou des trucs comme ça, elle va dire « moi j'ai dit ça, il a dit ça », et ça parle beaucoup des expressions, de ce qui se passe autour, c'est très descriptif, mais on a l'impression qu'on rentre pas dans le vif du truc. Parce qu'il n'y a pas les dialogues, parce qu'il n'y a pas ce tac au tac entre les personnages, et ça casse quelque chose pour moi. J'aime pas vraiment ce genre de situation. Ça m'énerve de dire ça parce que c'est très fluide, c'est très bien écrit, mais il manque cette dynamique qui est faite par les dialogues. Il y a des dialogues, mais ils sont pas assez présents. C'est un livre destiné aux adolescents et je me dis que si c'est pas dynamique, bah ils peineront à accrocher et ça va pas forcément leur plaire. Deuxième point négatif, mais que je comprends, en tout cas je comprends le choix de l'auteur, la fin, elle a été un peu bâclée. Le livre s'intéresse au passé de Max, mais également au présent. Présent que l'on peut voir du coup dans la saison 2 de Stranger Things. Mais du coup, toutes les scènes des deux derniers épisodes sont un peu laissées pour compte. Elles sont racontées, mais très rapidement, et en fait, elles sont même survolées, je dirais. Et du coup, quand j'étais dans ma lecture et que j'ai vu que j'arrivais aux deux derniers épisodes, j'ai regardé le nombre de pages qui me restaient et je me suis dit, elle ne va quand même pas résumer en 20 pages, à peine, la fin de Stranger Things. Elle ne peut pas faire ça en 20 pages. Et ben, elle l'a fait en survolant. Et je comprends qu'elle n'ait pas voulu développer tout ça. Je pense que dans la tête de l'auteur, ça a été, bah, s'ils ont acheté le livre, c'est qu'ils regardent la série, et s'ils regardent la série, ils savent déjà ce qui se passe à ce moment-là, et j'ai pas vraiment besoin de décrire toute l'action qu'il y a. Et d'un côté, je comprends, et de l'autre, je me dis que quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série, qui s'est dit, tiens, j'ai bien envie quand même de lire ce livre, et ben, il se fait un peu avoir dans l'histoire, quoi. Là-dessus, franchement, je suis perplexe. Comme vous le savez, je suis une énorme fan de Stranger Things, et c'est vrai qu'il y a un moment, dans le livre où je me suis arrêtée, je me suis dit, ça me fait tiquer, j'aime pas vraiment quand ça me fait tiquer. Attention, il n'y a pas eu d'incohérence, je pense que c'est une interprétation. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Max parle à Lucas, et elle lui dit harceleur. Elle l'appelle harceleur, c'est son surnom, harceleur. C'est un petit peu violent, harceleur. Un petit peu, vraiment un petit peu. Mais si t'écoutes la version française de Stranger Things, c'est pas vraiment le surnom qu'elle donne à Lucas. Dans la série, Max appelle Lucas pot de colle. Et quand je lis harceleur,
ça me fatiguait un petit peu parce que je me dis, ok, peut-être que la version française a tort, peut-être que c'est la version française qui a mal traduit, mais harceleur, je trouve ça quand même vachement violent. Alors que pot de colle, ça va avec l'âge qu'ils ont, etc. Harceleur, oh, je suis pas trop pour. Quelque chose qui m'a perdu, c'était le mélange passé-présent. Ça se fait beaucoup dans les livres. Mais là, ça a été fait d'une manière différente. Et du coup, j'étais perdue. Tout simplement, l'auteur a fait le choix de mélanger dans les chapitres passé et présent. En séparant juste avec une petite barre ou des petits points, je sais plus, le présent et le passé. Est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de faire un chapitre présent, un chapitre passé, etc., etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ma lecture aurait sûrement été plus fluide dans ce sens-là parce que je suis habituée à voir ça. Après, cet aspect est intéressant parce que généralement, quand Max revient dans le passé, eh bien, c'est parce que le présent lui a rappelé une scène qu'elle a vécue. Et du coup, hop, on enchaîne avec le passé. Donc ça peut gêner et en même temps, pas tant que ça. Je sais pas trop, je suis mitigée là-dessus. Passons au point positif. J'adore le passé torturé de Max. Je l'adore. J'ai adoré comprendre pourquoi Max était Max. C'est-à-dire pourquoi c'était une rebelle, pourquoi elle était tout le temps énervée, pourquoi elle était froide. Et en fait, quand tu vois la tête de sa famille, tu te dis que c'est normal. Et c'est déjà bien si elle n'est pas devenue une psychopathe. Elle a une famille qui est chaotique, sa mère pas du tout courageuse, toute frêle, mais qui aime sa fille quand même. Son beau-père qui ne vit que pour la violence psychologique et physique. Et ne parlons même pas de son demi-frère. Enfin si, on va en parler de son demi-frère. Billy. Billy, c'est aussi un personnage important de la saison 2 de Stranger Things. C'est le demi-frère donc de Max, qu'il appelle gentiment Mad Max. Et il se trouve que Billy est un psychopathe. Ouais, ouais. Billy est finalement comme Max, c'est l'enfant brisé du foyer, sauf que lui, il n'y a plus rien à sauver. Il n'a connu que les coups de son père, que la violence à longueur de temps et à longueur de journée. Et finalement, il n'a aucune conscience de l'amour, de l'amitié, des choses comme ça. Et il est vraiment très violent, méchant, manipulateur, et j'en passe. Et c'est vrai que j'adorerais avoir un livre juste sur Billy, juste sur son passé, pour savoir tout ce qu'il y a dans sa tête, parce qu'il y a tellement de choses dans sa tête, et je pense que le livre nous dit pas tout. Billy, il fait tout pour détruire Max depuis le moment où ils ont emménagé tous ensemble, et c'est vrai que c'est son passe-temps favori, et qu'il y prend un malin plaisir. Le livre est intéressant dans le sens où on découvre un autre Billy qu'on connaissait pas forcément avant. On a eu une petite ébauche dans la saison 2, mais pas tant que ça. Et je pense que le livre est clair sur pas mal de sujets. Je vais pas vous mentir, le centre de l'histoire du livre Runaway Max, c'est la relation de Max avec son demi-frère. Vraiment. Max, c'est un des personnages que j'aime le plus dans le sens où on se ressent beaucoup, elle et moi. Max, c'est une tête brûlée, elle a mauvais caractère, elle se rend pas forcément compte de tous les dangers qui peuvent se trouver autour d'elle. Elle aime bizarrement tout ce qui est un peu sanglant, tout ce qui est un peu tueur en série, etc. C'est une passion comme une autre, que nous partageons toutes les deux. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a une réalité qui est frappante et inquiétante à la fois, dans le sens où, par exemple, pour elle, un monstre n'aura jamais été quelque chose qui se cache sous son lit. Un monstre, c'est par exemple son demi-frère ou son beau-père. Max, pour elle, c'est les hommes, le danger. C'est les hommes, les monstres. Moi, ce que j'aime, c'est la vision de la femme et de la féminité qu'a Max. Max, c'est un garçon manqué. Et elle est allergique à tout ce qui peut être un tant soit peu féminin. Elle porte pas de robe, elle porte pas de jupe. Elle dit que les autres filles qu'elle a connues, elle ne parle que de maquillage, de coiffure, de comment plaire aux garçons. Et c'est vrai que Max, bah elle aime être invisible. Donc elle adore porter des sweats et des jeans et que personne la remarque. Elle adore aussi traîner avec des garçons, c'est pas trop son truc de traîner avec les filles. À un moment, Max va tomber sur Nancy Wheeler, qui est une fille très jolie, très pomponnée, moi je la trouve magnifique. Et c'est vrai que la première chose qu'elle va se dire, c'est elle est trop frêle, etc., comme toutes les autres filles. Donc ce que je disais, c'est que Nancy, on la voit comme frêle, etc., c'est la première vision qu'a Max de Nancy. Sauf qu'en vérité, on sait tous que Nancy, c'est une battante, elle est très courageuse, et quand elle a un flingue entre les mains, vaut mieux pas être en face. Finalement, la morale de l'histoire, c'est l'habit ne fait pas le moine. En vrai, il y a 10 milliards d'aspects positifs, mais là, je me suis vraiment concentrée sur les plus gros aspects positifs, ceux qui m'ont vraiment marqué dans le livre. L'écriture de Brenna Yovanov est vraiment claire, limpide, elle est vraiment ancrée dans la série, et ça, j'adore, il n'y a pas un problème d'incohérence, pas un seul. C'est vraiment agréable de se reconnecter avec Stranger Things,
de se reconnecter avec cette époque. Et surtout, ça nous fait replonger dans l'univers de Stranger Things, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le 4 juillet sort la saison 3 de Stranger Things. J'ai adoré le livre, j'ai adoré sa simplicité, j'ai adoré retomber dans l'univers de Stranger Things, j'ai adoré retomber à Hawkins, retrouver les personnages que je connaissais. Vraiment, ça a été un plaisir total de lire ce bouquin. Si t'as pas envie de te retaper la saison 2 de Stranger Things, pas de soucis, tu n'as qu'à prendre le livre. Et en plus, tu auras quelques petits détails sur Max qui sont plutôt cool. Évidemment, vous vous doutez que la prochaine lecture sera bien entendu Stranger Things aux éditions Lumen. Mais c'est vous qui choisissez mes prochaines lectures, c'est-à-dire que je vous laisse toujours le choix sur Instagram entre deux livres. Et c'est vous qui décidez quel livre vous intéresse le plus. Et après, j'en fais une critique. Du coup, si t'as envie de me suivre sur Instagram, ce sera ici ou ici. Je sais jamais où est le petit i. Je crois que c'est plus ici. Donc, suis-moi ici avec le petit i et tu pourras voter pour choisir ma prochaine lecture. Logiquement, la prochaine lecture, on part soit sur du fantastique avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, soit vers des histoires d'amour entre 5 Feet Apart et The Sun Is Also a Star. Logiquement. Après, c'est à toi de décider. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !